Mesdames et messieurs la famille, avec un dossier conseil présidentiel et puis gouvernement gaïkonien qui formé, eh bien sous tête pays a vienne poser plus problème que Ariel Henry pas de poser dans 3 ans qu'il sous faire parce que monsieur était seul maître et seigneur et c'est seul lié nous t'a cité. Donc je dis à là, eh bien nous même nous pas connaître qui est pour nous reler et qui est tout pour nous faire appeler pour nous dire c'est pas condition ça qui t'est passé, eh bien c'est pas ça que c'est peut-être dit ou bien c'est pas ça gouvernement t'est dit. Donc nous gars dit dans minute qu'on a parlé à mesdames et messieurs Conseil présidentiel, chita sous intérêt pâle, gouvernement gaïkonien, chita sous intérêt pâle. Donc, nous avons dit, avant que nous franchissions la ligne information, nous prenons les soins pour nous saluer chaque grand monde qui suit nous. C'est un privilège. Et vous même qui visitez la plateforme, ça, pour la première fois, ou avez intérêt pour like, abonner, partager. Parce que, cause la gare info, nous c'est maman actualité. Effectivement, mesdames et messieurs, conseil présidentiel, eh bien, Smith Augustin, ok, président. Smith Augustin, eh bien conseiller monsieur a frappé fort, Béguin Saint-Pierre, OK, Mesguer, eh bien chef cabinet ministère sport, OK, qui c'est Niola Linsara Devalis, eh bien lui-même qui remet démission cause gon affaire de 3 millions de goudes qui était destiné eh bien pour acheter Kabiran et pour ministère de ca fonctionner, eh bien conseiller président Smith Augustin, eh bien monsieur lui-même lui évaporé dans l'air avec 3 millions de goudes ça. Donc nous a dit ces générations même ça veut dire ces blocs monsieur qui a fait coup dans tête pays a vu que na yo ces gars reconnu il y a plus possibilité bien pour capable entrer plus dans business pays là. Donc na yo remarqué que gars reconnu il y a plus possibilité pour entrer plus comme que eux même pas jamais qu'a fait dans 1 an gars reconnu a fait dans 3 mois à 6 mois. Donc c'est grave bien monsieur gain bien plusieurs monde qui a commencé démissionner vu que yo est corruption. Il commence corruption il ça mené enquête. Bien qu'on ait au même signe pour marrer, c'est pas n'importe qui sous pouvoir marrer, mais c'est au même qui en bas, c'est au cap pire pour quoi. Bien comment c'est retiré quoi au bas Smith Augustin. Donc c'est pas on a fait de 100 millions de goudes qui détourne seulement, mais on a fait de 3 millions de goudes qui étaient destinés dans le ministère pour te travailler, hein, pour te acheter Kabiran et pour acheter l'autre fonctionnement. Et n'ayez détourné, ils ont fait ça au lieu. Allez dire c'est comme prochain, ils prennent Albert Gorio et puis 100 millions de goudes là en façon. Pour responsable BNC Alem li garder placé. Donc c'est grave ou nous je dis à là Edgar Leblanc fils monsieur déclaré gars reconnaît la guerre d'après information qui a circulé c'est comme si rien pas caché mesdames et messieurs si nous pensons gain on bail qui caché et bien penser ou faire pas gain caché. Donc gars reconnaît a metel dans l'air ou bien dans devant bloc là pour pas être en perfection pour population accorder plus confiance plus temps et puis pour lui-même Gagote, il fait ça l'affaire parce que n'a qui t'a montré c'est magouillé c'est vicieux qui baille ça vient régler simplement. Et bien, Edgar Leblanc fils qui déjà gain nèg dans parti là, président conseil présidentiel là qui accusé des affaires fraude, des dossiers corruption, et bien qui vient mettre conseil présidentiel là bac pendant ce temps ambassadeur et bien américain lui-même les antigens repoussé rencontre lui avec conseil présidentiel lui pour le pencher sous gouvernement gaïkonien. Dans ça Edgar Leblanc fils voyait pied qui trouvait ça lui-même li pas joué en faveur vu que n'a demandé pour gaïkonien dit un mot sur dossier corruption et bien gaïkonien de refuser parler sous dossier ça il dit quitter la justice fait affaire pendant ce temps gaïkonien connaît très bien que ça c'est un avantage plus rien lui-même y aurait tardé pendant ce temps ULCC mandé fort n'a sanctionné jusqu'à présent et bien yo pas rendre répondre à l'appel ambassadeur américain non bien nous dit qu'il a travaillé sur dossier ça et bien qu'il a dû sanctionner n'a vu que monsieur voulait pencher sous gars reconnu parce qu'il y a plus comme qu'a passé dans le gouvernement au lieu des conseils présidentiels là c'est ça qui mettait gros division ça. Donc nous qu'a dit pays après le traverser un moment inimaginable et on paye un moment tout qu'a marqué histoire vu que nous gagne deux blocs qu'a dirigé pays là c'est pas question et bien Milat qui t'a dirigé non Milat toujours là mais qu'on y a là c'est deux blocs qui sous tête pays là qui c'est conseil présidentiel gouvernement gaïkonien. Nèg yo débay la men lè sa t'ap commencé. Bien jodi a la tout moun gen pouvoir yo. Chaque coucou clair pou jwenn pandan population ap kouri a droite à gauche. L'autre la ouvè bouche li di que pe capital la. Donc c'est pas pays a non, capital la. Parce que debout di capital ouais tout. OK, c'est capital la qui boit droite pays a. Donc de ouais capital la affaibli, ou nèg a choisi dou, mais capital la a fonctionné, c'est l'autre ville yo qui plus ou moins donc a essayé maîtriser pendant c'est ce capital là pour bailler toute l'autre ville depuis capital là bon toute l'autre bon. Donc je dis à là un yo suspend la mascarade là parce que moun y a rapporté a dit ça yo connaît bien comment pays a fait des tu yo connaît tout pour qui ça pays a des tu c'est nous même qui connaît nous pas connait pour qui ça mais nous même nous on a vécu une misère n'a pas son calvaire en don pays. Donc je dis à là c'est grave pardon tout nèg a goumé pour cob pendant c'est temps nous même n'a courir à droite à gauche nous pas dans jeu olympique n'a fait course. Donc on a l'actualité. Premier ça pour monsieur de commencer préparer
c'est déblocage route nationale 1 et 2. Allez, le bandit qui est canard, il n'y a pas de force, non, canard. Ça, t'es à eux, oui. Ça, t'es à eux. Soit, on peut attaquer l'amour sans jouer quoi de bouquet, ni qu'à courir à droite, ni qu'à courir à gauche, ni qu'à faire Gantier, ni qu'à faire Tomazo. Mais bandit qui est canard, qui côté au capoui? Si on a un char, pas un char d'assaut, non, mais on a un véhicule de transport de tout, qu'on a un car dans eux. Pour vous, les gars, vous qui ça fait pour vous débloquer ça toujours? Qui ça fait pour vous attaquer Canaan? Baronet, non? Je ne pas dit pour entrer dans la grande ville. Je ne pas dit pour entrer dans le village de Dieu. Mais, route nationale, qui ça fait pour vous attaquer le Carrefour Matissan, côté bandit au campé? Il y a touché pour chaque machine qui a passé. Alors, mais les gens qui ont dit qu'ils ont touché, ce n'est pas chef, c'est des soldats, des petits flatteurs. Oui, soldats qui ont touché. Oui, soldats qui ont touché, mais ils ont touché pour bandit, pour gros chef. Oui. Mais qui ça fait que jusqu'à présent, après un mois, huit jours, que pour avoir une stratégie pour débloquer le route national numéro 1 et numéro 2. Mais comment chasse ces bandits là? Puisque moi, je voulais que les bandits n'ont pas une seule base, ils ne sont pas du même côté. Comment vous pouvez mener l'opération dans la zone côté bandit? Non, mais écoute, là, prend un job. Là, après, vous avez une question. Eh bien, dès que vous prenez un job, là, c'est parce que vous sentez que vous avez résolu. Oui? C'est ça, lié, oui. C'est parce que vous sentez que vous avez résolu. Ça veut dire que dès que vous acceptez pour un directeur général de la police, eh bien, vous connaissez que vos défis devant là, c'est un, les bandits qui ceinturent la capitale haïtienne. Deux, la route nationale numéro un bloquée par Jeff Canaan avec tout bandit. Eh bien, comment on débloqué? Malgré qu'on a dit qu'il n'y a pas de café dans six semaines, même pas quand on attend trois mois, on va débloquer la route nationale numéro un. Mais est-ce que force multinationale là, avec la police là, est-ce que c'est pour contrôler la route nationale là, empêcher les exam cap toucher dans même moun yo empêcher yo gen libre accès à espace route national yo? Est-ce que c'est ça nous doit faire ou bien c'est mener opération pour chasser bandi yo? Vous faites les deux, mais pour priorité des priorités, c'est la route nationale. Oui, c'est empêcher yo gen contrôle route national yo. Naturellement. Déployer dans toute route nationale pour c'est des soldats, c'est des policiers, c'est des militaires haïtiens qui ont contrôlé la route nationale. Comment on fait opération d'envergure grecier? Et bien, vous quittez Mariani ou quittez Carrefour. Ça, on doit faire là. Et bien, vous quittez Matissan. Il faut faire opération d'envergure avec l'armée, les forces kenyanes et la police. Yon a pris Matissan, l'autre a pris Fontamara, l'autre a pris installé Carrefour, et puis on va attaquer Mariani. Mais on va attaquer Grecier seulement. N'est-ce qu'on a replié Mariani, il a pas avancé les organes. Alors ça, tu vas faire là. Ça, on n'a pas besoin d'expert en sécurité, non, vous comprenez ça. Je dis à jusqu'à présent, Carrefour, en population de 300 à 400 000 habitants, Carrefour, par contre, il y a un policier, non? Jusqu'à présent, je vous ai dit ça déjà dans le micro, mais jusqu'à présent, qui ça? Je ne peux pas comprendre la stratégie. Mais c'est chaque jour, Carrefour, eux-mêmes, ils ont quitté la commune, ça, et l'autorité, eux-mêmes, nous connaissons tout. Dernièrement, là, c'est ancien gardien sélection nationale, la France, nous connaissons, qui est victime des actes d'insécurité dans la commune Carrefour. Maintenant, tout ça, on a parlé là. Qui est responsabilité conseil présidentiel de transition? Conseil là, pas qu'à sa responsabilité, c'est lui même qui pour, d'abord, c'est lui pour commencer, c'est lui qui en l'air. C'est le conseil qui définit la priorité. Le gouvernement là pour appliquer, et puis pour dire la police nationale, mais ça l'a fait, mais ça l'a fait. C'est pour ça que le ministre est président du conseil supérieur de la police nationale. Là, on ne va pas dire que je ne connais pas, ni ma preuve, il faut attendre 6 mois. Non! Alors, il faut attendre 6 mois pour que tu achètes un numéro de débloquer? Non. Avant qu'il va suivre, elle fait même genre LBT faire, LBT monter, lui dit la garde où tu achètes un numéro 1, c'est sous lui. Sous lui, au point numéro 2, lui, au point numéro 1. Il devient jeune, depuis là, Léon Charles, là, au point numéro 1. Niveau numéro 2. Mais c'est sous lui au point numéro 2, ah oui. Mmh. C'est pendant
pendant conseil présidentiel là là, c'est pendant monsieur Normil là que bandi au prend et on va y gantier. Même si on pas dans commissariat à soya là, oui. Mais aux environs de gantier. Ouais. Ouais. Si vous faut faire opération gantier, faut faire opération d'envergure pour chasser bandi au gantier pour pas monter fond parisien. Dans l'émission de fait là, et dans le moment où tu as fait choix, moun pour venir premier ministre, ou t'es gonche façon chita gari koni. Et ou t'es quoi, moun qui va venir là, faut gagner 4 chantiers, et moun yote parle de chantiers ça yo, ou a observé presque 2 mois, depuis le gouvernement lui-même installé, on garde 1, 2, 3, 4, dans l'action opposée, déplacée, la parole qui prend, qui sont comprendre, qui sont senti, est-ce qu'on est avancé? Bon, nous pas qu'à dire qu'on avance, réel. Parce que le premier chantier, c'est la sécurité. Même si le conseil présidentiel a écrit différents secteurs pour vous représenter ou pour le conseil étoile, oui, ça, c'est démonstration. Démonstration. Mais chantier numéro 1 reste la sécurité. Pour qui sont les écrits pour venir dans le conseil électoral provisoire, où est les démonstrations? Pour qui ça? C'est une démonstration, ils ont écrit. C'est une démonstration ouverte. Ils ont écrit, ils ont écrit. Et secteur, ils ont dit, vous voyez représentant. Même si on veut représentant, c'est puis après là, le campé, la suivre, la regarder. Mais le chantier numéro 1, c'est la sécurité. Je ne dis pas que tu as fini de résoudre la sécurité à l'aide avant de écrit et secteur. Non, je ne dis pas ça. Mais son démonstration, pour montrer que le combat est capable de faire, mais pour qu'on ait fait. Tout autant qu'on va résoudre la question de sécurité, pour qu'on ait fait. Pour qu'on ait fait. Vous insistez sur les liens ou pesez sur ça? Ah, mais écoutez, mais va laisser tout le monde. Cap vivre dans le pays. Qui problème yon gen numéro 1? C'est la question de la sécurité. C'est insécurité à cap marqué. C'est insécurité à faire ou pas ouvrir ti business. C'est insécurité à faire ou pas l'en travail. C'est insécurité à faire camé de l'obligation foncier de circuit qui pas d'exister ou pas faire n'importe quel circuit. Parce que bandits ont occupé ensemble de points dans toute zone métropolitaine qui a pêché vraiment moun vivre. Égal, tout autant qu'on veut carrer cette question ça, c'est que vous vous rappelez, oui. Vous vous rappelez. Chantier numéro 1, c'est question sécurité. Mais pendant qu'on a parlé de chantier numéro 1, c'est question sécurité, nous perdons bon temps là. Non, combat entre CPT, gouvernement, monde qui après fait pression sous président BNC, est-ce que nous te devons perdre tout le temps ça? Parce que 3 semaines, c'est celle ça n'a pas l'air. Alors ça, c'est le plus grave là. Alors, pour nous sortir d'une situation aussi difficile, et puis pour un conseil présidentiel, et puis garder dans qui ça a trouvé. Je ne vais pas dire au coupable, non? Ouais. Mais nous ne pouvons pas tomber dans une crise pareille. Quand ça vient là, nous ne pouvons pas tomber dans ça. Mais il n'y a pas qu'à traverser une situation aussi difficile. Et puis pour ces sacs viennent tomber comme problème, pour la, qu'on y a, au lieu de résoudre le problème de sécurité, ou bien j'ai réuni sous question conseiller accusé, 100 millions de gouttes, nous ne pouvons pas tomber là. Nous ne pouvons pas dans ça. Que c'est montage, que c'est vrai ou faux, nous ne pouvons pas tomber dans ça. Pas de raison pour nous tomber dans cette situation. Ça. Je dis à ça, avancer pour nous avancer. Alors que, avec ça, c'est comme Dadoun, n'a marqué pas sur place. 1, 2, 3, 4. Est-ce que Gary Koni, ou t'es présenté, j'en présenté là, ou toujours quoi, c'est l'homme moment? Je ne pas dire l'homme moment. L'homme moment. Un point de gymnastique qui est simple. Gary Koni, là, le fait venir, il dit oui, nous pouvons mettre l'autre dans l'administration publique, nous pouvons aller, il y a 3 ministères. Là, on dit, il y a 3 ministères. D'accord, avant, il y a 18 ministères. Et pour réduire, ou réduire le ministère. Et puis, qu'on y a, ou nommer des ministres sans portefeuille qui est attaché à la primature, au bureau du premier ministre. Et puis, qu'on y a, par exemple, pour un ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, ou bien aux responsabilités ministère
et de la culture et de la communication. Mm-hmm. Et avant chaque ton ministère déjà. Mais ça, vous faites là. C'est quand vous ne comprenez pas. C'est quand vous ne comprenez pas même comprendre l'administration. On fait ça. Parce que c'est privé. Ou pas mettre ton ministre pour le ministère de la culture et de la communication. Mais entre-temps, vous cabinet. Vous cabinet, oui. Non seulement ministre culture, ministre éducation, vous cabinet pour lui. Mais bon cabinet tout pour le ministère de la culture et de la communication. Alors ça va être au niveau là. C'est pour, mon, pour les ignorants qui sont faits là. En matière d'administration, c'est quand vous ne faites rien, oui là. Pas grand ministre, vous dites vous avez résolu la question à trois ministères. Pas de problème, vous comprenez. Mais où qui fait ministère là, tout personnel là, ou non cabinet non pour le ministère ça. Et puis, vous-même, vous êtes nommé ministre, sans portefeuille, chargé et qui est attaché au bureau du Premier ministre. Parce que vous n'avez pas de fin. Mais il y a une explication, notamment sous ministre sans portefeuille humanitaire. Il dit c'est pour la première fois on parole comme ça à parler en Haïti. Non, c'est un ministre sans portefeuille déjà. Non, ministre humanitaire là. Non, mais là, non, mon paquet de ministres sans portefeuille. Vous avez 3 ou 4 ministres sans portefeuille. Alors, c'est toi que tu es nommé, moi, quoi, il y a 2 jusqu'à présent qui est installé. Grâce à Jean, oui. Pourquoi jamais installé? Bon, vous nommez 3 ministres sans portefeuille. OK? Mais entre-temps, ministère qui était là, ou rassemblé ensemble, quand le ministère et des Affaires étrangères, il est culte. Et Haïtien, quand il va à l'étranger. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Eh bien, qu'on y a, ministre, il y a un cabinet particulier pour le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. On s'en trouve là. C'est quand vous ne pouvez pas faire, oui. Alors, c'est la personne du ministre qui n'est pas là, mais il y a un cabinet pour lui. Il y a un directeur général pour le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Mon personnel est toujours là. Mais c'est quand vous ne pouvez pas faire. En administration, on va faire ça. Sans faire ça, c'est lui pas représenter en rien. C'est quand on va même comprendre ce qu'on fait là. C'est ça, regarde. On tourne sur ça là. Qui délai moun yo gen devant là pour résoudre problème c'est qui problème ça qui là côté moun pas ka déplacer qui te capital là dans machine, vraiment dire comme ça. Donc moun qui gen gros moyen yo face avec facilité yo aller dans ville de province même si quand même quand arrive pas sous genre moun yo habitué dit là et le moine qui délai qui ça moun yo doit faire là CPT gouvernement la police qui ça doit faire pour résoudre problème insécurité a faut qu'on l'approche faut qu'on l'approche et faut qu'on libérer les routes nationales numéro 1 numéro 2 qui délai ou devant là. M'a dit, m'a pas écouté, m'a aidé là. Même pas que au café, moun passe moi, ou là, ça, on va libérer de ou ça. Mais pays à Paris pour manifester là, les moines. Ah, mais c'est normal, parce que l'autre, tu peux résoudre question ça. Ou t'es doué, m'a dit, ou t'es doué, résoudre déjà. Mais faut moun te commencer, ouais, au moins, yo sur la voie. Mais là, on peut sur la voie là. Et m'a quoi que moi, ou là, c'est délai, oui. Alors, on pense que l'école, quand après l'ouvrir, et puis pour toute l'école, ça, au lycée, l'école nationale, pour continuer à héberger moun qui quitte Kayo. Non. L'école Pagé doit réouvrir en septembre avec moun Zayo qui en bat tant toujours là. Non. Faut que moun ka fait retourner à la Kayo. Pour retourner à la Kayo, faut que gouvernement assure sécurité. Faut la police nationale qui a déployé qu'à vous faire. Jusqu'à présent, avant elle, on va donner ça au équipe bandit fait. Yon envahi, yon Kayo, moun qui t'habite. Ils ont violé un jeune homme. Ils ont violé maman. C'est ça qui a passé quand vous faites là. C'est ça qui a passé là, oui. Alors, qui ça qui a empêché que la police nationale n'a pas qu'à déployer quand vous faites? Qui ça qui a empêché ça? Qui ça a eu de moi à faire? Ils ont fermé non caille? Qui ça a 6 mois à faire? Ils ferme non caille? Pas comprendre. Je ne parle pas 6 mois dans la rue, je ne parle pas de mon rue. Alors, pour qui ça va pas déployer au cas où vous faites? Pour qui ça? D'armes connaît. C'est monsieur le directeur général
Non, Bill Gamon qui vous dit qui ça que M. Simon a fait fermer nos bases, tandis que Kafoufeye, bandit paraît au grand jour, la violer moun jusqu'à présent. Ça pas pour LB, non, quoi qu'on a, ça c'est pour normer le rabot. Ça c'est qu'on a fait sur LB, tout le monde a critiqué LB, mais comment on comprend aujourd'hui là, malgré 400 soldats venus de force multinationale, et puis Kafoufeye, je ne parle pas de tout, captionner tout Kafoufeye, tout va faire de choses, je ne parle pas de tout, non. Côté, qui côté, ça agent si vous avez fait, fermez nos bases. Qui ça agent 8 mou a fait? Fermez nos bases. Qui ça fait on va déployer? Ah ben, faut que monsieur Ramon baille une explication. Parce que je dis, moun pas toi victime toujours qu'à vous faire. Est-ce qu'il va dire, il mérite un petit temps d'observation parce que l'IPAT là, l'IT quitte la police de l'autre façon et certainement l'LT allait à. Il n'y a pas quitté toute gang ça, c'est seulement Matissan qui était en situation difficile. Est-ce qu'il pas il doit dire bon, il faut le prendre une observation pour le comprendre ça là, je dis, ah, comment faire situation vient pourri là. Monsieur, le fait que mon directeur départemental Ouest 1, Ouest 2, ouais. C'est pour faire travail. C'est ça, oui? C'est pour faire travail. C'est pas grave seulement, non? Directeur, faites nommer là où faut commencer à faire travail. Ouais, tu pas dit ça bien Emel parce que en plus fois mon yo penser c'est directeur général qui descend zam nan men calmer l'opération alors que directeur départemental yo gen des privilèges yo bénéficier d'institution, ça veut faire travail tout. Oui, qui ça empêcher yo prendre des soldats des policiers une mois, six mois pour déployer au Kafoufeye, bape de choses, et puis y a fait un immédiatement bandit pas pour aller. Mettez des points fixes, mettez des points de véhicules mobiles qui tournent, qui passent en tout le monde. Pour mettre des mouillons en confiance. Comment senti mini justice pays a? Pourquoi sent-il, non? Pourquoi sent-il? C'est ça la décision. Le problème, il mettait tout le monde, les parquetiers en garde. Il citait le roi, avant qu'il dit il mettait en garde pour le travail. Je suis entièrement d'accord avec lui. Non, mais hier soir, je suis recevoir Carl Giovanni Obou, qui est porte-parole COMAD, collectif magistrat debout. Donc, son moratoire dans la zone état d'urgence, grève la va lever. Bon, je comprends. Yo accepté par rapport à son état d'urgence, mais le ministre a créé avec eux. Ça veut dire que oui, il y a un droit de revendiquer. Oui, comme il y a un droit d'entrer en grève. Mais grève là, il y a une limite. Ouais. Alors, comme en plus, le monde ne va pas contrôler l'État. Mais si vous êtes contrôlé l'État, vous avez pris une question de grève là déjà. Mais, by pression, il y a un droit de dire tout ben, arrêtez les gens qui sont en prison. Parce que jusqu'au présent, depuis 3 mars, le problème prisonnier, il y a un problème que je pose. Alors, c'est la situation plus grave, oui. Magistrat Kadi, mais, by pression, il faut nous lever grève, mais pour qui prison n'a pas arrêté le monde? Non. Alors, là, je veux dire, prison Delma, commissaire Delma, qui est presque saturé. Il n'est pas capable encore. Pétionville, il n'est pas capable encore. AKE n'a pas existé. Pénitentiaire n'a pas existé. Quoi des bouquets n'a pas existé. Donc, son situation qui est extrêmement grave, payable, qu'on est là, je ne veux dire. Très, 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 très grave. Mais l'autre te prendre comme dirigeant ou te connaît son situation grave, c'est pour commencer 1, 2, 3 pour des solutions. C'est nous pas besoin de problème encore. Le problème est là déjà. Nous besoin des solutions. Mais comment le ministre il y a d'abord des abordés, questions, prison qui crase, bandits qui dans la rue, qui a flané Jean Ovelé, l'on pas croise avec yo même côté avec tout citoyen. Bon. Là, c'est la police et la justice. Ouais. Parce que, debout en cavale, n'importe policier qui doit venir, qui doit tirer. Debout en cavale. Mais, est-ce que. Vous pensez comme ça? On se la gueule? Non, debout en cavale. Depuis un prisonnier en cavale, la police joue nous, il chope ou pas camper, il doit tirer. Il doit tirer. Ça, c'est noir sur blanc. Debout en cavale. Parce que c'est prison, crasso, sauver ou aller. Mm-hmm. Maintenant, c'est ou bien on rentre tout,
ou bien on dégage ou caché. Mais de vous dans la rue, la police doit mettre main sur vous ou courir la petite roue. Sauf sous nos foules, il n'y a pas de tirer pour pouvoir avoir des dommages collatéraux. Vous comprenez? Commissaire Bougouin, comment comprendre? Parce que le silence depuis l'installation. Bon, le fait compter. Beaucoup de fois, faut nous parler un petit temps de grâce qui est à peine monté. Même s'il te connaît, côté la rentrée déjà. Mais le fait compter, il faut nous parler un temps de grâce pour nous, action. Et action, quand même, c'est avec la police. Mais je dis à moi, vous pratiquez en deux pays, tout commissaire gouvernement, mais depuis, il y a été. Oui. Miskadé qui baille le ton. Oui, Miskadé fait parler, bon diable. Tout commissaire gouvernement, dans une bonne juridiction de pays, il y a mené opération. Le problème, il y a vraiment en pile le moine bono. Il y a pris un bon petit temps, pour nous sortir là. Et c'est ça que fait moi dit hier soir, m'pa quoi nous dans un moment pour nous chirer pit, on a shooté sur l'autre. Pays a pas besoin assister spectacle encore, pays a tout simplement attendre. J'ont insisté sur lui là, route nationale nous est capable de délibérer, route nationale nous est capable de débloquer. Oui, parce que nous tellement a subi, population tellement a subi situation grave que nous vivons là. Maintenant pas de place pour un scandale, pour accuser conseiller, directement des 100 millions de gouttes. Nous pas de arriver là. Bon, maintenant, nous finissons là. Faut qu'on dénouement en situation ça. Oh, bien, tout, pas, que... nous pas obligés de vivre dans la situation, nous avons tout dossier en même temps. Non, nous pas. Ah, vous comprenez? Il y a trois dossiers pour nous traiter, nous pouvons même qu'à traiter, et puis l'autre a vu encore. C'est assez sous clou. Oui. Et là, bas quoi que, figurez-vous, faites ce ton scandale, autant de conseils, t'es là, quand j'ai agile, manquez goût avec Conny, sortez là, non, tombez dans l'autre crise encore. Mais mes amis. Et puis, PM, non, lui-même, lui font tweet très rapidement son question BMPAD. Et c'est vraiment un bon dossier, c'est dossier, rentrer dossier. Regardez, dans sa nuit là, où est un gars Conny qui a été pour longtemps, tête ministre intérieur toujours? Pas qu'on est si la kakem beli, même quoi, il y a trois bagailles pour lui déjà comme premier ministre pour le mon ministère non maintenant. On voit, il y a trois bagailles. Il y a trois dossiers pour le traiter comme premier ministre. Allez, le premier ministre, il y a un droit de regard sur l'ensemble des ministères. Oui. On voit, ou bien des ministères à vocation politique, ou bien des ministères à vocation économique et de développement, ou bien le ministère à vocation socioculturelle. Pour chaque groupe de ministères, ça a un ensemble de problèmes qui sont graves à poser. Et puis, vous même voyez le ministère, et pas des moindres, le ministère de l'Intérieur. La collectivité et territoriale, le ministère intérieur doit être en connexion avec la collectivité. Et nous avons connu ce passé 12 ans à l'étranger, il n'est pas présent sur le terrain. C'est vrai, nous avons entendu récemment dans une interview avec Radio Caraïbes, il était connecté avec Piana informé. L'INA UNICEF, ça veut dire qu'il y a une base dans tout le pays. Qui participation collectivité territoriale là, lui-même, dans la question ça là? Comment gouvernement, comment la police nationale d'Haïti, CPTA, a dû aborder collectivité et territoriale là dans la question insécurité? Bon, on a collectivité au son gros mousseau. Récemment, il y a une réunion CPTA fait avec collectivité qui disons, avec les mairies de la zone métropolitaine, notamment pour résoudre question assainissement, pour poser problème insécurité, ce qui a été très bien. Mais l'autre premier ministre, vous faites 12 ans d'ailleurs, même si vous attendez toutes nouvelles, l'autre vient entrer au timon des affaires, les deux bails différents. La gestion directe, ce n'est pas même bagarre avec l'autre attendez, non? C'est où au timon, c'est où qu'on prend une décision, c'est où qu'on et apporter rapport bon pour prendre une décision. Ce n'est pas même bagarre du tout. Donc, vous pouvez collectivité, magistrat, Kazek, ASEC, délégué Villio, délégué départemental, vous avez mot par vous, vous avez contribution par vous dans la bataille contre le phénomène de sécurité. Non, mais c'est un gros mot. Parce que, pas oublier, chaque délégué départemental, vous représentez l'État, oui, dans le département. Vous avez pour supervision pour tout
direction départementale ministère, oui, c'est Wall, oui. Là, on délègue départementale. Toute direction départementale est sous contrôle, oui. Même si vous avez un directeur, mais c'est vous qui faites pour superviser quoi? Est-ce qu'il a bien marché? Est-ce qu'il a bien service? Comment ça est pour faire rapport, oui? C'est pas un chita, ce qu'on est chita dans le bureau. Délégué départemental, ou obtenir des sinistrés, les guébaïs. Non, c'est pas ça, non? Supervision de la direction départementale, c'est son rôle, oui. C'est fort, assurant que la direction départementale va marcher bien, oui. Que la baille service. C'est-à-dire, son petit président, oui.